job d'outfitter, c'est surtout la préparation. Écoute, je prépare des sites pour des gens, mais souvent qui n'ont pas le temps ou qui ne savent pas comment. Fait que pour avoir des résultats, ben la préparation, c'est ce qui va faire la différence en bout de ligne. C'est une fréquentation assidue à ton site. Ça, c'est un modèle de bête à os. Écoute, c'est très simple à faire. Là, si vous voulez faire à la maison, un baril qui est bien nettoyé. On fait une petite embouchure. On va mettre ce que l'ours aime à l'intérieur. Peu importe que ce soit de la moulée, des gâteaux. En tout cas, ici, c'est de la moulée. Puis, on a mis un peu de sucré sur le drum. Bien important de boucher l'entrée. Ça a deux fonctions quand on bouche l'entrée du drum. Premièrement, lorsque l'ours va venir, ben, ça va être facile à voir que le tour s'est passé parce qu'il y a juste un ours qui va être capable de défaire ça. Mais la chose principale, c'est que j'ai des caméras de chasse ici. Je ne veux pas que les ratons laveurs pour que toutes les petites vermines s'approprient le drum. Qu'ils soient tout le temps là, que mes caméras partent tout le temps. Puis que quand les ours arrivent, il n'y a plus de manger parce qu'il y a 20 ratons laveurs dans le drum. Donc, ça lui bouche l'entrée. Un site bien approprié, on voit que c'est bien huileux à serre. Moi, j'aime ça avec de l'huile. Fait que tous les petits rongeurs, tout, comme je disais, les ratons laveurs, les moufettes, tout ce qui passe par ici, il va emporter une odeur d'huile un peu partout sur le terrain. C'est ce qui va faciliter, si on veut, votre ours pour trouver le baril. Ici, c'est un baril qui est actif, là, mais lorsqu'on part les barils, bien important de mettre beaucoup d'huile. On met aussi beaucoup de senteur. La senteur, c'est sûr que c'est bon sur le site immédiat, mais tout ce qui va se promener autour du site ici, les écureuils, les ratons laveurs, tout ça, ben, vont propager cette senteur-là un peu partout. Donc, ça va mener toutes les ours du coin au drum ici.